Un peu oublié entre Pays Basque et Béarn, à la limite des Landes, le pays de Bidache ou pays Charnégou a pourtant tous les atouts pour se faire une vraie place. Des paysages verdoyants tout en rondeur, un patrimoine naturel, culturel et historique préservé et un artisanat respectueux des traditions. Ici, tout semble propice à la découverte. À quelques minutes de la commune de Bidache, nous arrivons à la ferme familiale du Bruquiza. Mathieu et Laurence, frères et sœurs, ont opté pour l'agriculture biologique. La chèvrerie en bois abrite un troupeau de chèvres laitières élevées en plein air. C'est une ferme où on fait principalement des chèvres avec du fromage de chèvre, des kiwis, quelques porcs et quelques vaches. On fait du fromage de chèvre depuis bientôt 10 ans. Je suis associée avec mon frère Mathieu. C'est une exploitation familiale. On a repris la ferme de notre grand-père. Notre père n'était pas agriculteur, mais on a repris la ferme et on a créé l'élevage de chèvres. Tout est en bio. Donc moi, quand je me suis installée en 2009, j'ai converti les terres dès mon installation, même avant qu'il y ait les chèvres. Le maïs qu'on produit sur la ferme n'a pas d'intrants chimiques. On le désherbe, mais que mécaniquement. Il n'y a pas d'action autre que celle de machine. Il n'y a pas de traitement chimique. Et les chèvres, on les soigne en homéopathie, physiothérapie, enfin, quand elles sont malades. Mais là, à partir du moment où on gère bien l'alimentation, que le bâtiment est bien ventilé et qu'elles vont tous les jours dehors, donc elles profitent du soleil, etc., la plupart du temps, elles ne sont pas malades, quoi. Il y a un bouc pour 30 chèvres à peu près. Une fois que la chèvre est pleine, donc elle fait un petit en février, et à partir de là, on les trait. Donc il faut vraiment qu'elles aient eu un bébé pour avoir du lait. Et donc après, on va les traire, et ce lait, on le transforme en fromage. Alors pour le transformer en fromage, il faut d'abord qu'il y ait une acidification du lait. Et donc pour ça, nous, on utilise un levain, donc notre levain naturel. On ensemence notre lait avec un levain que l'on fait, et ça acidifie le lait. Et ensuite, on met de la présure pour faire coaguler le lait, donc de le passer de l'état liquide à l'état solide. Il est fait avec le climat du pays de Bidache, donc voilà. Nous ici, il pleut quand même moins que sur la côte basque, on est un peu entre les deux. Il pleut beaucoup, mais moins que sur la côte basque quand même. Et donc, on bénéficie du beau temps, on n'est pas trop en altitude non plus, donc on a pratiquement jamais de neige, donc les chèvres peuvent aller tous les jours dehors. Il y a de l'herbe pratiquement un peu tout le temps, quoi. Presque tous les jours, elles peuvent aller dehors. Ce sont vraiment des animaux qui vivent dehors et qui sont nourris à l'herbe. Alors les chèvres, c'est très sympa parce que voilà, hein, ça vient vers nous, c'est curieux, c'est très affectueux. C'est gentil, ça ne nous fonce pas dessus, c'est pas gros, donc c'est pas comme une vache. À part que ça aime bien faire des bêtises, mais bon, à part ça, en général, c'est assez simple à élever. Retour à Bidache, aux ateliers pétrissants, une petite entreprise artisanale et familiale. Le patron des lieux, c'est David. Il extrait, taille et façonne la célèbre pierre de Bidache, utilisée pour construire Bayonne ou Biarritz. Un matériau qui a fait la renommée du pays Charnégou. C'est notre pierre, quoi, c'est la pierre de la région. C'est une pierre assez dure. Qui a ses contraintes parce que forcément elle a une particularité, elle a du silex dedans, donc c'est un peu compliqué pour la travailler. On peut faire du dallage, on peut faire des angles comme vous avez là, on peut faire un peu bouchardée. Elle sert autant pour le bâtiment que pour la déco. Il y a une véritable histoire avec cette pierre, parce qu'elle a servi à bâtir la côte basque, côte hollandaise, une partie du Béarn. Elle a servi beaucoup dans la région. Tous les mercredis et tous les soirs de semaine, je venais ici, dans l'atelier. Et en fait, au fond de l'atelier, il y avait un vieux tour. Mon père faisait des balustres. Et en fait, il y avait une poussière très fine, parce qu'en fait, il travaillait une pierre assez tendre.
Je passais des journées à regarder la machine, à arracher la pierre, lever les bancs, à regarder comment on faisait. Vraiment, depuis, j'ai 43 ans et je ne crois pas avoir passé un jour sans avoir touché la pierre. Le son de la massette sur le burin, l'œil qui voit l'éclat partir, ou le toucher ici sur une finition, quoi. En fait, il y a tous les sens qui sont en éveil, quoi. Et toute la journée, c'est comme ça. Alors là, vous ne l'entendez pas, mais souvent, dans la journée, il y a la machine qui tourne derrière. Le soir, mais j'y repense encore. Et bon, maintenant, au fur et à mesure, ça me passe. Mais quand j'étais plus jeune, même la nuit, je refaisais les gestes, quoi. J'essaie de former des jeunes. En formant des jeunes, comme moi, j'ai été formé aussi par des anciens, mais je rends un peu ce qu'on m'a donné, quoi. J'ai appris beaucoup avec eux. Et donc j'essaie de faire pareil avec des plus jeunes, quoi, des apprentis. Je rends vraiment, j'essaie au moins de rendre ce qui m'a été donné.